Que signifie pour vous bien manger? Est-ce que tu as une idée? Ça coûte combien faire l'épicerie? Non, vraiment pas, sérieux. Nous, notre famille, on est 4 enfants, donc ça coûte cher des épiceries. Mais, petit par année, j'en ai vraiment aucune idée. Ça, plus votre menu, les gars. Aujourd'hui, des élèves du 2e secondaire de l'école Sophie Barra du quartier Hansik à Montréal se rendent à l'épicerie. Ça, c'est votre feuille pour faire votre épicerie. OK? Go! Le professeur de mathématiques Guillaume Cassou est l'instigateur d'un projet scolaire fait conjointement avec les professeurs de français et d'éducation physique. Le volet épicerie s'inscrit dans un projet qui s'appelle Mon Avenir. Ils doivent donc se trouver un emploi, avoir un salaire et tout. Et effectivement, l'épicerie fait partie du projet parce que c'est une portion importante d'un budget quand on sera plus vieux. Oh, en fait, c'est 6,70. Ce projet tente de faire des élèves des consommateurs avertis en les aidant à décrypter les bons produits pour faire les choix adéquats. Ils ont dû établir un menu type pour un déjeuner, un dîner, un souper, suite à une conférence qu'ils ont eue de la part d'une nutritionniste. Viande, volaille, poisson, œufs, le tofu. Est-ce qu'il y en a qui consomment le tofu dans la classe? Ah ouais, c'est bon ça. Bravo! Avec ce projet-là, bien, ça va permettre de voir qu'effectivement, des mathématiques, que ce soit au niveau du calcul de la masse, des volumes, évidemment des coûts, bien, ça a une utilité. Donc, en secondaire 2, en plus, ils voient les proportions. Et alors, ça permet d'appliquer concrètement ce qu'ils ont vu en classe à l'épicerie. Les élèves ont tenté d'appliquer les conseils de la conférencière en nutrition avant de se rendre à l'épicerie. Ben, celui-là, il n'y a pas de sucre du tout dans les ingrédients, fait que ça débute bien. On les a déjà comparés, mais en plus, cette sorte-là, c'est bio. Alors moi, j'aurais tendance à prendre les bio parce que moi, je mange beaucoup bio. Et toi, combien de grammes de sucre? Le sucre, c'est ici. Il y a 0 g de sucre. Ah, oh, yes. Là, ce matin, qu'est-ce que tu as appris que tu ne savais pas? J'ai aussi appris que, par exemple, plus la liste d'ingrédients est longue, plus c'est mauvais. Dépendamment de ce que tu choisis, il y a des jours à respecter de conservation, là, des dates de conservation. Ouais. C'est tout indiqué, là, mais ça varie un peu. OK, merci beaucoup. C'est bon? Merci. Le rôle de la professeure de français, Nathalie Lavigueur, est tout aussi capital. Mon rôle, c'est de faire en sorte qu'ils lisent bien les étiquettes, tant les ingrédients, la valeur nutritive. Est-ce que les promesses qu'on voit sur les emballages sont au rendez-vous? C'est de travailler beaucoup l'analyse comparative parce que quand on fait notre épicerie, tout est à propos de ça. Comment tu vas savoir ça pour les intolérances au lactose? Bien. Quand on a des intolérances ou des allergies, bien, on est obligé d'analyser chaque produit pour voir si ça nous convient ou non. Qu'est-ce que vous calculez? On calcule les proportions pour le yogourt. Pour savoir combien on doit, combien ça va coûter pour un matin. Qu'est-ce que vous prenez en compte là? En fait, c'est très simple, c'est le prix selon le nombre de grammes qu'on a décidé qu'on va manger pour une portion. Et donc, on va diviser en fonction, parce que là, c'est 220 grammes, je pense, pour 4,89. On a des bons échos de la part des parents qui sont assez contents que leur enfant maintenant les accompagne à l'épicerie et a un esprit critique face à leur choix alimentaire. Champignons pour tennis. Est-ce qu'il y a des chiffres rouges, genre les livres? Exactement. Okay. Mais nous, on va utiliser les kilogrammes, c'est plus simple. Donc, une fois qu'ils ont terminé leur épicerie, qu'ils ont chiffré tout ça, évidemment, ils retournent en classe. Et là, ils doivent calculer exactement combien chaque ingrédient, chaque item leur a coûté. Ils sont surpris de voir la partie importante que l'épicerie représente dans un budget annuel. Moi, je me suis retrouvée en appartement à l'âge de 17 ans et je savais rien de la vie. Je savais pas comment faire une épicerie. Je savais même pas qu'est-ce que c'était de manger équilibré. Et puis là, ben, d'offrir à ces élèves-là la chance d'avoir un regard concret sur ce que c'est faire l'épicerie, de voir que, bon sang, ça coûte cher, d'avoir peut-être un petit peu plus de respect pour le travail des parents. Ben moi, je me dis que pour l'instant, j'en profite parce que c'est pas moi qui paye. Donc, j'y pense pas, puis d'un jour ou l'autre, ça va venir. Puis voilà, je préfère pas y penser pour l'instant.